Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une ligne de métro très spéciale. Et cette ligne de métro se trouve à Lyon. La ligne C du métro lyonnais est née dans les années 70. Mais avant ça, c'était un funiculaire qui reliait Croix-Paquet à Croix-Rousse. Puis elle a été transformée en métro sur fer à crémaillère pour relier Croix-Rousse à Hôtel-de-Ville pour rejoindre le métro A. Puis un peu plus tard, elle a été prolongée encore pour rejoindre Cuire. Et on commence tout de suite à Hôtel-de-Ville. La station a été construite originellement en voie unique avec la saturation de la ligne dès son ouverture. Une autre voie a été construite, mais pas très utilisée. Cette station a été rénovée 3 fois. Au départ, elle avait une couleur jaune poussin, puis elle est passée sur du jaune coquille pour finir sur du rouge. L'arrêt Croix-Paquet, la station de métro la plus intéressante de toute la ligne. Déjà, c'est la station de métro la plus pentue du monde. Mais en plus, c'était le point de départ de l'ancien funiculaire qui reliait Croix-Paquet à Croix-Rousse. Les anciens ateliers de la ligne étaient également situés ici, juste sous la rue. Et la voie d'accès passait juste ici, sur le quai, en direction d'Hôtel-de-Ville. Partait d'ici jusqu'à Trévis. Malheureusement, cette compagnie a fait faillite dès 1819. Cette ligne a été inaugurée en intégralité en 1882. Elle possédait 2 tronçons. Le premier tronçon relie Croix-Rousse à la gare de Châtenay-Rieux. Mais malheureusement, cette partie fermera parce que la SNCF en a dessiné ainsi. Elle est aujourd'hui devenue une piste cyclable. Le deuxième tronçon relie la gare de Châtenay-Rieux à Trévoux. Le trafic voyageur fermera dans les années 40, puis la ligne fut intégralement fermée à tout trafic en 2011.
l'Empire, Tenusaline, se sont construites en aérien et en voie unique, car faute de personnel pour la ligne 7 ligne. Déjà la fin de cette ligne. Merci de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner aussi sur Instagram et Facebook. À la prochaine. Salut.